Salut. Et ouais, c'est la première fois que vous me voyez bien habillé en fait. Pas mal. Salut à tous! Eh ben c'est Over et on a toujours pas trouvé de nom à cette petite femme. Enfin bref. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing donc de nourriture japonaise. Donc c'est génial, on voit absolument rien sur cette caméra. Ah ça y est, on voit. Oh, le focus enfin qui fait son effet. Donc c'est de la nourriture japonaise qui vient du Japon, naturellement. Du site Candy-san. On va pas vous faire attendre, on va l'ouvrir tout de suite, on va goûter ensemble. Donc on a pris pas mal de choses en commun, des choses que moi j'avais envie de prendre, que elle avait envie de prendre. Donc sachant que moi j'ai déjà goûté pas mal de choses qu'il y a dedans. Sinon en soi c'est vrai que ça va être une redécouverte parce que ça fait bien des années que j'ai pas goûté. Donc à la fin on fera un petit top 3 des pires aliments japonais qu'on a dedans. Et on fera un top 3 des meilleurs aliments qu'on a dedans. Et comme la dernière fois, on va pouvoir faire plusieurs plans avec cette vue-ci. Ou celle-là. Ou encore celle-ci. Alors, on va ouvrir, on va piocher au hasard dedans. Attention, ouverture à l'aide d'une spatule, puisque nous sommes en pénurie de cutter ou bien de ciseaux. Tu regardes pas ce qu'il y a dedans, s'il te plaît. Allez, allez. Tiens. Ok, premier article, c'est parti, qu'est-ce que c'est? C'est un snack, je vous mettrai à la fin de la vidéo donc un screen de ma commande que j'ai faite. Comme ça, vous pourrez peut-être éventuellement vous y retrouver. Tu devrais plutôt montrer là. Au niveau des noms, ça va être compliqué de vous les dire en fait en direct, puisque c'est du produit 100% japonais. Et du coup, au niveau des noms, c'est compliqué. C'est bon. C'est clairement au fromage. Il y a un petit goût de sauce soja, je sais pas quoi. Une sauce qu'on trouve au resto chinois. C'est pas mal. On dirait un gros curly au fromage, mais en meilleur. Ah, alors celui-là, je l'ai choisi donc tout spécialement parce que dessus il y a naturellement du One Piece. Mais je sais plus ce que c'est qu'il y a dedans. Mais c'est des petits bonbons. Non, j'ai pas vu moi. Excuse-moi. On va goûter. Framboise. Du chocolat. Ouais. Chocolat blanc. Fraise, il y a de la fraise dedans. Bon, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est un petit biscuit. Fraise, chocolat blanc. Celui-là autour, ouais, c'est... Il y a du chocolat blanc, mais qui est aromatisé. Ça se mange bien. Ouais, c'est bon. Là, ça ressemble à ça. On tourne. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est un autre goût. Un autre petit stick. Donc ça, je sais pas quel goût il a. Il doit avoir... Il doit avoir peut-être un goût barbecue ou un truc comme ça. Ouais, avec y a de la viande dessus. Bon, c'est parti. Oh, l'odeur. Oh, ah oui, ça sent le barbecue. Hein. Oh la vache. Ça sent bon. En bouche, c'est un régal. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh, j'aime pas. Ah, j'adore. Il y a un petit goût caramélisé autour, mais aussi fumé. Elle donne, hein. Bah écoutez, ouais, moi j'aime tout. On va aller chercher un couteau dans le fond. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Ah, je sais ce que c'est. Ah, les fameuses. Meuses. Tu vas pas les spoiler. Les meuses. Voilà, bon, fin du spoil. De toute façon, l'image est plutôt parlante. Ça, je l'ai goûté donc il y a de ça quelques années. C'est fantastique. Tiens. En plus, elles sont pas bien fourrées. Elles sont pas bien remplies. Alors donc, elle n'avait jamais goûté, moi oui. Donc t'en penses quoi? C'est bon. C'est bien. Imaginez une chips, mais pas salée. Un biscuit. Mais du coup, on a l'impression que c'est du un biscuit, mais ça n'est pas. Hein. C'est vraiment une chips. C'est une grosse chips. C'est pas de la patate. C'est de la patate. C'est la patate. Donc ça, à moins que vous soyez traumatisé du chocolat ou d'un biscuit ou d'une chips, c'est obligé que vous aimiez. Hein, franchement, c'est vraiment un régal. Oh. Alors, petit biscuit,
À mon avis, hein, vraiment, mais alors vraiment, à mon avis, c'est sans doute au fromage. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Rien que l'apparence, ça ressemble au petit biscuit qu'on connaît à la supermarché. Ouh, ça sent le fromage, c'est fort. Ça sent le fromage. Hein. Déjà, déjà, l'image, ils ont pas menti. Faire ta mimine. Donc sur le paquet il est écrit 53%. Vous vous en doutez, c'est le pourcentage de fromage qu'il y a dedans. Il y en a. Ça a un goût de parmesan en moitié. Du roquefort on dirait, du comté, du gouda, du camembert. Surtout parmesan, mais surtout parmesan. Parmesan il est présent. Là. Vu, ça a rimé, parmesan. Pour ceux qui aiment le fromage, c'est juste une dinguerie. Moi franchement je trouve ça super bon. Ah le roquefort on le sent à la fin. Ouais, peut-être un peu quand même. Mmh. Non, j'avoue. Donc, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Pour le premier, hein, parce que là. Ok. On avait. Je crois qu'on a osé prendre des curly. Fromage. Fromage aussi. Ils sont énormes. Niveau visu, donc ça ressemble. Bon, je vais quand même en sortir un pour que vous puissiez vous en rendre compte d'un thé du curly. C'est il y a un morceau de fromage simplement qui est tombé du paquet. Mmh. Bah, sans surprise, ça a vraiment le goût d'un gâteau apéritif français au fromage. Ouais, mais il est plus mou. Il est, plus... il est ultra fondant, hein. Ouais. Oh! Donc, des Oreos, goût, c'était quoi? C'était... Vanille. Il y a la vanille, là. Ça, c'est la vanille. Ouais, je sais plus c'était quoi le nom complet, mais c'était pas... C'était autre chose que... Enfin, c'était vanille, mais... C'était pas... Non, c'est un nom de gâteau, là. Tiramisu. Tiramisu vanille, je crois que c'est, hein. Normal. En termes d'aspect, c'est pas ouf, mais... Non, ils sont... C'est des Oreos, hein, de la marque Oreo, d'ailleurs. Tout ce qui est plus classique. Ça sent la vanille. Ça sent la vanille. Ils sont pas entiers. Ah oui, c'est aussi. C'est juste vanille en fait. C'est pas mauvais, mais c'est. On dirait comme. Je vais essayer de les séparer. Mais. Bon, ça marche pas. Non, c'est pas bon. C'est pas mal. Pour le prochain, c'est. J'ai toujours pas le japonais. Et je sais pas ce que c'est. À voilà, je sais plus. C'est des bonbons. On a vu, c'est un bon bec, ouais. C'est. Et à l'intérieur, il y a quelque chose qui fait. Pfff, donc ah, ça doit oui, être. Ah oui, il y a un truc effervescent. Ah, peut-être. C'est un peu gris. Hein? Un peu gris. Ouais. C'est acide. C'est vraiment acide. C'est pas mauvais. Ouais, c'est un petit goût sympa, mais en termes de bonbons, c'est vrai que ça change par rapport à ce qu'on a en France, mais c'est pas mauvais. C'est ni gueux, ni dégueu, ni mauvais, ni excellent. Qu'est-ce que c'est que c'est magique? Ah oui, d'accord, c'est bon. Ok. C'est une machine à laver. Vous avez dû voir déjà des vidéos en fait sur des toilettes à monter. Ça a débordé. Je pense que j'ai mis trop d'eau. C'est intéressant. On va surtout attraper le cancer après ça, mais c'est intéressant. Oh, ça coûte médicament. Un petit peu, ouais. C'est le doliprane qui est dilué dans. Pas. Bah, ça goûte doliprane un petit peu. Hein. Non, mais ça m'en fera plus. Ah, nickel. Ouais, là, c'est le truc qui est emballé là qui m'a fait. Ah. Oh, ah oui. Alors, ça. On va plus se casser dans les pâtisseries, je pense, que le reste. C'est un pain. Un pain? Un pain à quoi? Surprise, surprise. Ah, bah, bah. Oh. Ouvre la bouche. C'est qu'elle a pris. Bon, il a un brioche. Il a un foutu goût de brioche. Tu l'as goûté? Attends, je vais prendre au milieu. Parce que le milieu, on dirait qu'il y a quelque chose quand même. Mais oui, justement, j'espère qu'il y a ce quelque chose dedans.
Alors théoriquement, ça aurait dû être une brioche au melon. Dit en fait un pain au melon. Et regarde les petits trucs là. Et le souci, c'est que c'est absolument pas le goût de melon. J'avais regardé les commentaires avant de l'acheter et il semblait que on avait l'impression de manger un melon en fait. Et c'est pas du tout le cas. Voilà. C'est une brioche. Donc, pour le petit déjeuner de ma matin. Des Pringles, donc là on a fait très original, crème oignon. Non. Ou quelque chose comme ça. Il y a du piment là. Non, goût enceinte. Mais ils sont choux, ils sont trop petits. C'est mignon. Ils sont trop petits. Ils sont choux. Effectivement, c'est ça le problème, ils sont trop petits. Allez, goûte. Oh, c'est bon. Bon. C'est bon. C'est goût faritas. Tu sens que ça pique légèrement à la fin. Dans le début, goût de poivron. Ouais, c'est, à mon avis, c'est goût faritas. C'est bon. Pas ouf, mais En plus, la boîte, elle est trop chaude. C'est pas dégueu. Alors, je sais pas trop comment vous le décrire. Ah, c'est mou. Ah, c'est juste. Donc ça, en fait, c'est ni plus ni moins un marshmallow et je crois qu'au milieu, je sais plus si c'est un que j'avais voulu goûter, donc avec une crème à base de charbon. Ah oui, c'est vrai. Ou si c'est simplement de du truc de haricot. Et je crois que c'est le truc au charbon. Hein. Oui, je crois. Sans plus tarder. Au sésame. C'est un marshmallow, mais en plus doux encore. C'est chou, mais c'est vachement bon en plus. Ouais. Et la forme est mignonne. C'est des marshmallows avec un cœur fourré au sésame. Au sésame. Ah bah oui, regarde, j'ai mis. Non, c'est vachement bon. Bon. Ouais. Oula. 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 Ladies and gentlemen! It is Kit Kat. Of green tea. Of green tea. Comment vous dire que j'ai extrêmement peur de goûter ça. Tout ce qui est au thé vert, moi ça me fait peur. C'est un délire qui est franchement. On va manger un pour deux parce que déjà. Attends de voir si déjà le premier. Ah, tu vois, on peut écrire nos prénoms dessus pour le goûter. Ah, mais c'est cool. Y'a que les Japonais pour penser à faire ça. Déjà, on peut voir qu'au niveau visuel, on dirait un jouet. En fait, qu'ils sont trompés d'emballage. Ils l'ont mis dans des trucs pour le manger. Pas du tout. Tiens. Merci. Allez, au TVR, putain. Ça va, je trouve. Je m'attendais à pire. T'es sceptique, toi? Je pense que. En fait, c'est bon à petite dose. Déjà, faut pas manger 10 d'affilée. Ça a le goût d'un thé, en fait, que vous avez oublié de retirer de l'eau chaude. Vous savez, ce goût, mais âpre, qu'on... Et bah, ça a ce goût-là, après. Mais le début, c'est pas mauvais. Ah, ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Des petites friandises. Salé, sucré, c'est compliqué un peu à dire. Donc, c'est des lamelles, en fait. Mais... Moi, je sais quel goût ça a. Ah, c'est ta fameuse viande séchée ou chose comme ça. Ça, c'est du calamar. C'est vachement bon. Non, bah. Ah non, on dirait du faux homard. Honnêtement, l'image donne beaucoup plus envie ouais. Que ce qu'il y a dedans. Mais en fait, dessus, on dirait du petit pain. Moi, j'aime bien. C'est vrai que ça peut ne pas être au goût de tous, mais... C'est gras. Tu as repéré, tu as déjà trouvé... Non, du tout, je ne sais pas. Mais... Des snacks. Et alors focus, pas focus. Oui, c'est bon. C'est bon. Non, c'est sur moi le focus. Tadam. Faut attendre la tête sur le côté. Hein. Donc il y a trois versions. Il y a une au vinaigre, il me semble. Il y a un autre comme ça qui je sais pas à quoi il est. Et donc en fait ici vous avez des nombres de piments en fait qui est là pour indiquer le taux de piquantité. De base je suis pas très pimenté, voire pas du tout. C'est joli. Des petits anneaux. Je sais pas, je vais mourir. Attends, mangeons plus tard d'un coup. C'est piquant après. Hein. On n'a pas pris beaucoup. Moi, je trouve que ça va, j'en ai peut-être pas assez. Mesdames et messieurs, tout de suite un test grandiose. Ouvre la bouche. Ah, voilà. Voilà. Ça piquait pas assez pour moi là. Ah, donc tu les as avalés en fait. Non, bah non.
Comme tu dis, au bout de 3 fois, je pense que oui, ça commence à piquer. Genre, je parle, j'ai l'impression de cracher quelque chose. Donc, petit gâteau apéritif, des petits anneaux de biscuits qui sont piquants. Hop, vous pouvez voir si présent, mamzelle, en train de décéder peu à peu. Elle a fait la maline. Ah, ah ben bah, j'ai choisi le bon choix. C'est du hasard, mais j'ai clairement choisi. Je vais aller chercher les salades. C'est un truc de poulet, c'est quoi? Non, du calamar. C'est trop chelou. Ça a l'air gras encore. Donc celui-ci, c'est du calamar. Simplement. C'est une lamelle de calamar qui est cuisinée à je sais plus quoi. Oh là. Oh là, ça a l'air gras. Je te laisse le petit bout. Ce sucré salé, mesdames et messieurs, moi j'adore. Non, une fois. C'est pas le temps. C'est du calamar, mais la sensation de manger. Peut-être le piquant d'avant. Tiens, je te laisse. Donc, elle est très française. Elle adore le fromage, les baguettes. Non, j'aime le poisson, j'aime tout ce qui est crustacé. Mais ça. C'est pas un vrai crustacé. Normal, c'est pas un crustacé, c'est un mollusque, un canard quoi. Oui, mais je veux dire, j'ai l'habitude d'en manger aussi de ça, mais pas des trucs comme ça. C'est sucré salé, forcément, ça peut pas plaire à tout le monde. Et non, bah non, c'est pas si gros que ça encore. Vas-y, mange une côte de porc, tu vas voir. Okay. On t'a oublié. Non, bah, toujours pas. Petit bonbon qui pique. On va le montrer. On va peut-être les montrer ici pour que ce soit dans le bon ordre. Non, c'est des bonbons qui sont très acides. Et goût. Coca. Cola. Oh, si je donne. Oh. On dirait des chocolats qu'on mettait sur le bord des cafés. Ah, c'est mignon. Bon, déjà, quand je vois un truc comme ça, honnêtement, moi j'ai un peu peur. On va le montrer plutôt ici. Oula. Un peu poudreux. Oh, ça chie. Oh la vache! Ça y est, c'est passé. Ah! Casse-le! Et marrant ce bonbon! C'est super acide autour. C'est doux, goût coca après. Au milieu, il y a encore de l'acide. C'est très clairement une tête brûlée améliorée. C'est le même concept, mais en mieux. Je souris pas. Ah, c'est celui-là ! Mesdames et messieurs, presque 6 euros cette boîte. Alors, on va le montrer premièrement ici. Là, on va essayer de jouer avec la luminosité. Hop, on va cacher un peu la lumière. Voilà, donc Pokémon en folie, tout ça, on va le montrer ici aussi, talin, voilà. Presque 6 euros ce truc. Oh là là, mon dieu, j'ai même pas le droit de me faire plaisir, hein. Elle savait même pas quel goût ça avait. Même si il y avait écrit goût caca, elle aurait acheté quand même, il y avait des Pokémon. Bon alors. Oh là là. Premièrement, c'est terrible. Oh là là. Petits emballages. Des Pokédex. Des Pokéballs, Estelle. Oh. Donc petit emballage Pokéball avec dedans donc un espèce de cookie. Et alors attendez, j'en ai ouvert un. J'en aurai un au pif, le premier que j'ai chopé. Et alors, c'est pas mal du tout, c'est rigolo. Alors je suis pas expert des Pokémon, du coup je cherche dans quel sens il faut le regarder. J'ai mangé Pika. Voilà. Donc pour le rendu des couleurs c'est compliqué. Pour celui-ci, je suis pas trop capable de vous dire en fait. On va le montrer ici. Donc. Il y a une petite impression dessus qui est vraiment jolie, mignonne. Sauf que je ne sais pas encore vraiment quel Pokémon c'est dessus. Honnêtement, il m'est difficile de vous le dire. On va goûter tout de suite. Hein. En aucun cas, un cookie. Hein. Non. C'est un sablé. Ouais. Ouais, mais il y a des Pokémon dessus. C'est vrai, vraiment, il n'y a que de la déco. Entre nous, c'est trop cher pour ce que c'est. Vous avez 12 sablés dedans. Pour 6 euros. Parce que vous avez un enfoiré d'emballage comme ça. C'est beaucoup trop cher. Mais c'est non beau... C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais non. Pour ceux qui sont passionnés de Pokémon, ben c'est pas sûr. Si vous êtes passionné de Pokémon, vous êtes bien con d'acheter ça.
petite barre de céréales chocolatées. On va la montrer encore une fois ici. chocolat amande, théoriquement. Je pensais pas que c'était comme ça à l'intérieur. Il y a des trucs noirs par contre. Ils ont peut-être oublié des morceaux au four. Il y a de l'Oreo. Tu vois l'Oreo? Ah bon? Oui, ça se voit. Après, c'est une barre chocolatée, chocolatée, plus plus. C'est chocolaté, mais d'accord. Ah, par contre, le sucre là-dedans. Donc, question goût, c'est franchement pas mal. Et en plus, si vous êtes en manque de diabète, bah, c'est pas mal non plus. Honnêtement, achetez-la, vous remontez à niveau. Prochain aliment, du chat. Donc, en vente libre sur le site. Donc. Non, je déconne sur le chat. Ça se fond juste. Oh la vache. Ça, non mais j'ai bon espoir que ça marche, mais ça marche jamais en fait. Donc ça, j'ai bon espoir que ce soit vachement bon. Donc là, je vois goût, goût camembert. C'est, je crois que c'est le même que tout à l'heure en fait. Ouais, mais là, ça a l'air vachement intense. Hein. C'est le même que tout début, avec le trou. Ça a une odeur de piètre ou pas? Non. Oh si. Il y a un goût... totalement banal en fait, moins bon que l'autre. Ah, intéressant. Une tablette. À mon avis, c'est une tablette de chocolatception. Hop, par là. Donc, à mon avis, il y a du chocolat qui contient à nouveau du chocolat. Je me souviens absolument pas avoir acheté ça. Oh, putain. Honnêtement, donc j'ai plutôt des grandes mains et une moitié pour toi, une moitié pour moi. Je pense que c'est aussi à l'Oreo. Je sais pas pourquoi. En fait, le biscuit qui est dedans, on va essayer de le montrer ici. Le focus n'est toujours pas d'accord. On va donc le montrer là. Vous voyez, le biscuit en fait est très foncé. C'est hyper léger. Ouais. Donc on dirait vraiment un biscuit Oreo à l'intérieur. Mmh. C'est pas dégueu. Mmh. En termes de chocolat. C'est pas mauvais. Ouf. Encore un gâteau comme l'autre qu'on a mangé tout à l'heure. Qui à mon avis en fait est probablement bouffe-viande. On va le sentir. Après du chocolat ça va être atroce. Il y a un peu de légumes. Hein. Ah à toi. Ça sent la viande, en fait ça sent quasiment le même que le barbecue qu'on a goûté en premier, mais en... Moins fort. La vie, il a l'air moins fort. Oh, oula. Mmh. Un truc en plus, hein. ça va fort tout de suite après, mais... Ouais, mais sur le goût, ça surprend. Ça pique. C'est fort, en fait, c'est relevé. Ça monte tout de suite, comme du wasabi. Mmh. D'où le petit truc vert, là. Merde, c'est du wasabi ça. Ah bon. Oh les cons. Alors ça part tout de suite après, mais ok, goût wasabi, viande. Il est pas mauvais. Il est franchement pas mauvais. Ça surprend. Petite barre, enfin c'est pas une barre dedans, ça contient plusieurs machins. Comme tout à l'heure, je pense que c'est des mini aussi. Hein. Voilà. Ah c'est des tampons. Chips. Non, te laisse mieux. Hein. Donc, ce sont des bonbons qui doivent servir de tampons, je sais pas trop comment. Fais là. Meurs ta langue. Meurs ta langue. C'est dégueulasse le filet de bave que je me suis laissé. Attends. Ouais. Faut pas trop baver quoi. Marche pas très bien hein. J'arrive pas à savoir ce que c'est en fait. C'est une sorcière. C'est une sorcière, ok. Ça ne dirait absolument pas une sorcière. C'est absolument dégueulasse comme bonbon parce que vous êtes obligé de le lécher et de le coller sur vous. Votre lèche à vous va sur vous. Tire la langue. On dirait les petits bonbons là. Le coulouk là. Pourquoi? Oui. C'est des bonbons à propos des colliers, de tout ça. Oui, c'est vrai.
peut être très bien. C'est n'importe quoi. Tu vas. À toi. Et. Ah, bœuf séché. Je viens de le dire, donc c'est du bœuf séché en fine tranche. C'est pas une chanson, ça. Non, ça c'est ma grand-mère qui le disait. Ah, c'est peut-être pour ça. Si vous entendez une chanson qui s'appelle fine, je déposerai des droits d'auteur. Voilà, donc, je vous ai pas menti, c'est du bœuf qui a été séché. Ah, y'a qu'une tranche. Ah bah y'a 20 grammes, hein. 15 grammes. Oh, ça sent bon. Ça sent le bœuf qui a séché. Si vous vous demandez quel goût ça, vous prenez le bourguignon de votre mère, c'est la sauce. Vous mettez de côté dans le garage et vous le zappez, à peu près 2 semaines. En ayant ajouté un peu de sel par-dessus. Beaucoup de sel. Beaucoup. Et voilà, un bœuf séché à la japonaise. Fini. 15 grammes. C'est fini. On n'a pas goûté ça. Non. En tout cas, ce petit bonhomme ayant l'air très heureux, ça peut avoir l'air que bon. Je sais pas du tout quel goût ça, mais oula. C'est gras. C'est collant. Ah. C'est sans doute encore du. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Alors. Je sais plus. Attendez, notre expertise. Ça ressemble à du fenouil, ça. Je te jure, ça ressemble à du fenouil. Oui, je t'en veux pas, moi. Je rigole si c'est vraiment goût de fenouil. C'est. Collant. C'est relativement sucré. Bouton. Oh, oh c'est chic. Oh, c'était pas du fenouil dessus. Ça, c'est du wasabi, messieurs dames. Oh putain. Oh putain. Oh. Oh la vache. Alors, dis vraiment fenouil. Ah bah c'est écrit dessus. Wasabi nourri. Ah mais c'était caché par ses enzymes. Au début c'est sucré, ça passe super bien. Et on s'en rend pas compte en fait. Et de suite après. Ah, et le wasabi qui arrive. encore un biscuit, je pense. Oh mais ils sont plus petits lui. Je sais pas vraiment ce que c'est non plus, ni quel goût ça peut avoir vu que les japonais sont pas. Oh là. Ah bah, on part sur un truc chocolaté, mais version biscuit. Toujours avec le trou au milieu. Oh. Ça a l'air d'être bon. Ça sent rien au milieu. C'est hyper léger. En deux bouchées, c'est mâché et avalé. C'est fini. Juste le temps que le chocolat colle à mes dents et c'est terminé. C'est un biscuit chocolaté qui n'a pas vraiment de goût, hormis celui du chocolat. C'est pas ouf, hein? Honnêtement. Comme je disais, simple, efficace, bon. Mais trop cher. Non, ça n'a pas goûté. Oh! Viens autour de. Ceci. I don't know what is it. Mais lui, c'est du bœuf ou du poulet ou je sais pas. Ou encore du. Ou du chat. Ou encore du. Du calamar, on s'en ressemble encore du calamar. Hein. Tout à l'heure, ça ressemble à du calamar, on s'est fait avoir du wasabi. Hein. Bah, moi j'aime bien. C'est pas manqué. Lui il a pas de goût, hein. Honnêtement. Alors celui-là il a aucun goût particulier. Voilà. Pas fameux, pas dégueu. Mais rien de particulier. Ah, qu'est-ce qu'on a? Ah, je pense que c'est du petit bonbon qui pique comme on a vu tout à l'heure. Qui a pas l'air dégueu d'ailleurs. Oh, c'est méga surprenant. C'est tout plat. Je sais pas ce que c'est, on verra. C'est encore méga chill. Waouh. Et après on repart sur une petite note de douceur qui pique encore un peu mais qui est meilleure. Après c'est au coca. Coca mou. T'as les textures de petites bouteilles de coca. Un peu dur, hein. Dans un petit bonbon en gel, un peu dur. Petite blague à vos potes. Excellent. Un taux d'acidité, mais alors pas mal. Hein. Franchement,
à recommander. Eh bien, c'est terminé pour cette vidéo. Donc, on a fait pas mal d'articles différents. Il y en a qui sont vraiment, vraiment très, très bons. Et d'autres qui sont... Donc, soit... Moi, des pas bons, en fait, j'en ai pas noté vraiment beaucoup. Hormis le Kit Kat au thé vert que j'ai pas spécialement aimé. Alors, on va vous présenter notre... Alors, on va vous présenter notre top 3 à tous les deux. Donc, des meilleurs et des pires. Donc... Mais à chacun, parce que forcément, bah en fait, moi j'aime bien tout ce qui est étranger à la France, les saveurs des saveurs nouvelles, le sucré salé notamment, j'adore ça. Alors que elle, bah pas trop en fait, je viens de m'en rendre compte que c'était pas trop son dada, genre là, tout ce qui est calamar, enfin bref. En troisième position, de ce qu'on vient de déguster, donc je vais mettre celui-ci, cette petite, en fait, on dirait de la guimauve, mais avec donc le cœur au sésame. Honnêtement, ça passe très très bien, c'est léger, je trouve ça léger quand même. C'est bon, c'est surtout vrai. Que j'avais déjà goûté des makis au sésame, j'avais trouvé ça super bon. Là, goûter ça, pour moi, c'est quasiment pareil, quoi. Franchement, ça y ressemble. D'ailleurs, je pense que c'est même peut-être la pâte de riz. Enfin bref. En deuxième position, je mets les chips. Elles vont souvent revenir, en fait, dans quelles que soient les vidéos dégustation, je pense, parce que c'est vraiment un produit qui est simple, mais qui est vraiment très efficace. Ça croustille, c'est au chocolat, c'est bon, c'est pas dégueu, c'est pas lourd. Non, franchement, il est vraiment très très bon. Et en première position, je vais mettre ces petits gâteaux au fromage, donc qui sont vraiment... qui ont un goût vraiment très prononcé. C'est franchement, on a l'impression de manger vraiment un morceau de fromage. Ouais. Vous prenez un morceau de parmesan, vous le faites croustiller, vous le mangez, c'est ça. Voilà, franchement, avec un petit arrière-goût de roquefort. Les autres, le brie et le gouda, je ne sais pas trop, mais en soi, franchement, en termes de fromage, c'est un régal. C'est franchement, c'est une tuerie. Alors, pour mon top 3 des pires, en fait, donc je vais mettre en troisième, je vais mettre ça. Donc, pourquoi les Pringles? Ils sont pas mauvais, ils sont pas dégueux, tout ça. Ça se mange très très bien. En fait, c'est simplement parce qu'on retrouve... Je trouve que c'est beaucoup trop proche de ce qu'on trouve en France. C'est ni plus ni moins qu'un Pringles avec un petit goût en plus, quoi. Hein. Et je trouve ça trop basique, je regrette totalement d'avoir pris... Enfin, franchement, c'est carrément normal, quoi. En même temps, quand on l'a fait, on s'est dit, on savait à quoi ça tient, c'est quand même les Pringles, quoi. Ouais, mais bon, on aurait dû prendre des goûters verts. En deuxième position, les fameux cookies Pokémon qui coûtent la peau du cul. Mais non. Bah toi, tu vas les défendre, c'est sûr. Ah oui. À la limite, si vous voulez faire plaisir à vos enfants, à vos amis qui sont fans de Pokémon, pourquoi pas. C'est vrai que c'est le packaging en soi, j'avoue, il est très très beau. C'est franchement, c'est original, c'est sympa. Mais au goût que ça a, on dirait des sablés qui ne sont pas forcément réussis. Il y a une impression dessus qui est rigolote, mais ça vaut pas le prix qu'on l'a payé. Il y a 12 sablés, ça fait 50 centimes l'unité. Mais ça va, c'est bon. Oh, je me justifie. C'est bon. Je me justifie, tu justifies ce que tu veux, moi je trouve ça trop cher. En numéro 1, nous mettons top 3 des pires aliments japonais que j'ai pu goûter. C'est le Kit Kat au thé vert avec son goût indescriptible puisque c'est carrément immonde. Je le trouve vraiment pas bon. En fait, c'est oui, non. En bouche, au début, c'est bon. Et tout de suite, après, on a ce goût âpre de thé qui a été trop infusé, qui prend le dessus et qui, franchement, est trop présent. Et ça nique le goût, quoi. De toute façon, c'est... J'ai goûté pire comme Kit Kat, venant du Japon, mais celui-là est dérangeant. Voilà. Sauf si vous aimez le thé et le chocolat en même temps, le thé vert, je vous conseille d'écouter. Voilà. Alors du coup, pour ton top 3 des pires aliments japonais, ça serait celui-ci. Hop là. Ah oui, d'accord, ok, celui-là. C'était ouais, tranche de calamar. Calamar, mais goût simple calamar, quoi. Goût simple calamar. Ouais. Avec, une, je crois qu'il y avait une légère sauce... collante. Juste une petite sauce sucrée avec, mais rien de dingue, en fait. Ouais, ça c'était pas tout bon goût. Bon, juste... Ouais, j'avoue, il est pas ouf, mais moi j'aime bien le calamar, alors. Mon top 2, maintenant, du pire, ça serait... Délicat entre les deux. Délicat parce qu'en fait ils se ressemblent tous. Du calamar. Waouh. Et ben. Si. Non, là. Donc c'est pareil, sauf que là il était plus saucé le machin. Mais en fait j'ai l'impression que c'est du. C'est un mollusque, mais que c'est pas du vrai mollusque, quoi. Vous essayez de me proposer. C'était comme le surimi, en fait. Le surimi c'est des déchets. Mmh. Mais là j'ai l'impression que c'est des déchets de mollusque. Voilà. Et le premier, celui que j'ai pas du tout aimé, on pense que c'est de la viande sur le dessus. Là. Ah ouais, en plus c'est de la publicité mensongère. Et en fait c'est pas du tout de la viande, c'est encore du
calamar. Quelle surprise, encore du calamar. Et c'était des petits morceaux. Ah, c'était des petites lamelles. Ouais. J'ai pas trop aimé, quoi. Oh, j'adore le poisson, tout ce qui est truc, mais là, c'est pas possible. Voilà. Petite invitée spéciale pour une petite vidéo dégustation, donc c'est Jean-Louis. Est-ce que l'odeur, tu aimes, toi? Elle va peut-être m'approuver. Hein. Ah, donc, alors attendez. Ah, merci Lilou! Elle s'est bien française. Hein. Ton top 3 des aliments japonais que tu as préférés. Alors, mon top 3 du meilleur, c'est cela. Pour commencer, en top 3, c'est les bonbons acides. Acide plus. Ça, c'est des plats, donc ils sont acides plus avec un coup de cola à la fin. Je l'ai bien aimé. Ouais, bah, ils piquent un peu, mais c'est vrai qu'ils sont pas mal. Ouais. À faire une bonne blague à quelqu'un avec. Après, mon deuxième, la tablette de chocolat. Tout chocolat avec des morceaux d'Oreo dedans. Bon, possiblement un biscuit complet en fait Oreo. Hein. C'est ça. Je pense que c'est la même recette, juste enrobée de chocolat quoi. Et c'est hyper léger pourtant. Bah ouais, tu vois, j'ai pas trouvé. Ah si. Ah si, largement. Ouais, c'est un bon biscuit, j'avoue. Et je trouve léger. Et mon top 1. Un... suspense. En même temps, j'ai eu un gros coup de cœur pour essayer par le packaging. Donc avec effectivement un packaging destiné aux enfants, forcément vous vous doutez qu'elle a tout de suite voulu l'avoir. Donc c'est vrai que... Bah, j'ai craqué dessus, il faut dire ce qu'il y a, j'ai craqué dessus. C'est comme quand tu vois une paire de chaussures qu'elle a craqué dessus, bah t'es obligé de l'acheter. Tu peux faire autrement, mais là c'est pareil avec cela. Et je trouve bon. Je trouve ça trop mignon, trop chaud. Moi je les ai adorés. Voilà. Après voilà, donc, comme je disais, c'est elle est plutôt donc aliment classique. Moi j'ai plutôt préféré les à côté, les non, moins parce classiques. Que ce que tu as choisi, c'était, je les ai bien aimés aussi. Tes chips, ton fromage, tes... Mmh. Ah, j'ai les gâteaux au fromage par exemple, je regrette de ne pas en avoir pris deux. Mmh. Alors on va faire un top 2 commun donc de ce qu'ils vont pouvoir être aimés de tous en fait. Ni trop de l'un, ni trop de l'autre. Si vous faites comme nous, donc si vous les achetez plutôt à deux, parce que nous en fait on a fait l'achat à deux, chacun choisit un petit peu, machin, ensuite les choses qu'on était d'accord ensemble, mais si vous achetez ça en couple, c'est vrai que ça peut avoir, ça peut être pas mal. Hein. En deuxième, on va mettre les chips au chocolat, donc qui étaient dans mon top à moi déjà, mais honnêtement ça passe, ça peut passer que très très bien. Hein. Ouais. Franchement ça passe, ça fait trop que ça passe. Ça passe crème. Ça passe crème. Et le préféré de toutes, qui est aussi mon préféré à moi, c'est le paquet de fromage, donc Chisa, 53%, c'est une tuerie, c'est un régal, c'est franchement, j'ai pas les mots pour décrire ce petit gâteau, il est juste exceptionnel. Pour les amoureux de fromage, toi en plus qui adore le fromage. Ah, j'adore ça. Ouais, mais entre le chocolat et le fromage... Ah par contre, ouais, là, oui, en même temps, sucré, salé, fromage, chocolat, peach... J'ai une tendance... pour la préférence pour le chocolat, même si j'adore celui-là. Ouais, tu es plutôt salé et plutôt sucré, voilà. Je vous mettrai un lien dans la description du coup du site Candysat, sauf si vous le connaissez déjà, bah, allez vous faire mettre, hein, vous allez directement voir. Je mettrai aussi une petite capture d'écran de tout ce qu'on a pris, peut-être que les noms vont vous aider à les retrouver en fonction d'eux. Bon, je vais pas mettre un lien à chaque fois exactement de l'objet. Bon bah du coup c'était Over et... Pépette. C'est pour lui. On va rester au et. Oh mais c'est nul, j'ai pas de nom. Ah bah ils peuvent me trouver des idées, non? Allez, vous êtes. On vous encourage à lui trouver un surnom. Un bon surnom, hein. Et à le mettre dans les commentaires. Vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu, si elle vous a donné envie donc d'acheter des produits japonais. Franchement, c'est très très cool à faire, c'est intéressant. C'est un petit peu cher par contre, mais ça vaut le coup, franchement, c'est des bonnes saveurs. Tout dépend quand t'es livré. Donc choisissez bien les frais de port les moins chers parce que donc au lieu d'être livré en 5 à 8 jours, ça va être 8 à 12 jours, un truc comme ça. Mais honnêtement, si vous faites une commande pour 30 balles et que vous vous retrouvez avec 40 balles de frais de port, il y a un peu de quoi chialer quoi. Donc là, à la place, on a eu pour peut-être acheter pour 40 euros de marchandises et 15 euros de frais de port. Franchement, c'est déjà plus raisonnable pour quelque chose qui vient en direct du Japon. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Kiss.